وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد إخوتي الكرام نظنكم إن شاء الله تبارك وتعالى une série de cours concernant la mort et l'au-delà. Et ces cours ont pour but, Inch'Allah, de nous rappeler la mort, de nous faire prendre conscience que toute âme est destinée à retourner vers son Seigneur, Jalla wa'ala. Et aussi, et c'est tout aussi important, de se préparer à celle-ci afin que l'on rencontre Allah dans les meilleures conditions. Pour ceci, j'ai besoin de m'appuyer sur les ouvrages de référence dans le domaine, notamment le livre de At-Tazkira de l'imam Al-Qurtubi, rahmahullahu tabaraka wa ta'ala. Et je vois pas ce qu'il dit lorsqu'il a rédigé ce livre. Il dit en préface, le but de ce livre est un rappel pour moi et une œuvre pieuse après ma mort. Et ceci en évoquant la mort, les situations que traversera le mort, l'évocation du rassemblement, de la résurrection, le paradis, le feu, les épreuves et les troubles, les signes précurseurs de l'heure, et tout ceci de ce que j'ai pu rassembler des grands savants. Son livre s'appelle « Kitab al-Tazkira bi ahwal al-mauta wa umur al-akhira ». Voilà comment il a appelé son livre. « Qal qala rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidughrin nazala bihi » فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه دبخ أنس رضي الله عنه لو إذا الله دي صلى الله عليه وسلم que l'un d'entre vous n'espère pas la mort suite à une calamité préjudiciable tombée sur lui. Et si vraiment il doit le faire, ou il veut le faire, qu'il dise « Ô Seigneur, laisse-moi en vie si la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. » Les savants disent « La mort ne constitue pas un néant absolu. Ce n'est que la séparation de l'âme avec le corps en s'interposant entre les deux. » C'est un changement d'état et le déplacement d'une demeure vers une autre. Elle constitue une des plus grandes épreuves. Allah le Très-Haut a nommé la mort al-musiba. Fa'asabatkum musibatul maut. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, que la mort vous frappe. Ici, le terme pour désigner la mort est al-musiba. Al-i'rad wa al-ghaflatu. Le fait de se détourner et d'être insouciant au rappel de la mort. Omar ibn Abdul Aziz, rahmahullah tabaraka wa ta'ala, avait dit « Iza ghafala qalbi anil mawti sa'atan fasad, man akthara zikra al mawti ukrima bi thalathati ashya, bi ta'jil al tawba wa qana'ati al qalbi wa nashat al ibadati. » ومن نسي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء بتسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والكسل في العبادة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى a dit: lorsque mon cœur est insouciant au rappel de la mort, ne serait-ce qu'un moment, il se corrompt. Et c'est lui qui multipliera l'évocation de la mort sera honoré par trois choses. Premièrement, par un repentir hâtif. Deuxièmement, par une suffisance du cœur. Troisièmement, par un activisme dans les actes d'adoration. Alors qu'en contrepartie, celui qui oubliera le rappel de la mort sera puni par trois choses. Par un ajournement de son repentir, c'est-à-dire qu'il dira « Je me repentirai plus tard, je me repentirai plus tard ». Deuxièmement,
il ne sera pas satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et enfin, troisièmement, il fera preuve de fainéantise dans ses actes d'adoration. Abu al-Atayya avait dit « Nasitu al-mawta fi ma qad nasitu, ka'anni la ara ahadan yamutu, alaysa al-mawtu ghayata kulli hayyin, famali la ubadiru ma yafutu. » Parmi les choses que j'ai oubliées, la mort, comme si je voyais que personne n'allait mourir. La mort n'est-elle pas la fin, c'est-à-dire le but de tout vivant? Comment est-ce possible que je ne m'empresse pas d'accomplir ce que j'ai raté? D'ailleurs, les mérites de l'évocation de la mort sont multiples. Abu Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Aksiru zikra hadhi min lazzat » C'est-à-dire, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Multipliez l'évocation de celle qui brise les jouissances » c'est-à-dire la mort. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Nasa'i wa al-Tirmidhi et rendu bon par Sheikh al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. D'après Anas radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam kafa bil mawti wa a'idha. Le prophète a dit alayhi salatu wa sallam, la mort suffit comme exhortation à elle seule. C'est un hadith qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani de la version de Anas ibn Malik. C'est-à-dire que Sheikh al-Albani a dit que ce athar est la parole de Anas ibn Malik et non la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-imam Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah tabaraka wa ta'ala qala fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala humul ladhina aktharuhum lil maut dhikra وله أحسن استعدادا ومنه أشد توقيا وحذرا. L'imam Abdur Rahman ibn Sa'd رحمه الله تبارك وتعالى a dit concernant la parole d'Allah تبارك وتعالى dans Surat al-Mulk, afin qu'il vous éprouve lequel d'entre vous sera le meilleur en acte. Il dit, ce sont ceux qui se rappelleront le plus de la mort. Et ce sont ceux qui s'y prépareront le mieux. Et ce sont ceux qui s'y protégeront et prendront garde de ses méfaits. Concernant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est important de s'y arrêter quelques instants. Le savant Abu Muhammad Abdul Haqqi a dit « La mort est un terme concis qui renferme en lui-même le rappel. » Il est plus éloquent que l'exhortation. Celui qui se rappelle de la mort véritablement, les plaisirs d'aujourd'hui lui paraîtront sans saveur, et ceci l'empêchera de les espérer dans le futur. Et par ceci, il s'écartera de ce qu'il souhaite. Mais les âmes stagnantes, les cœurs insouciants ont besoin de longues exhortations et de propos clinquants. Car sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, multipliait l'évocation de la mort avec la parole du Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, chaque âme goûtera la mort, suffisent pour tout entendeur et toute personne se penchant dessus. Il y a deux choses qui ont rompu en moi les plaisirs de cette vie-là, l'évocation de la mort et l'évocation de ma comparution devant Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une parole qu'avait prononcée un des salafs du nom de Abdul A'la al-Taymi. Je répète, il a dit, il y a deux choses qui ont rompu en moi les plaisirs de cette vie d'ici-bas. L'évocation de la mort et l'évocation de ma comparution devant Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala. Omar ibn Abdel Aziz rassemblait et réunissait les savants et ils évoquaient ensemble la mort, le jour du jugement, l'au-delà, et pleuraient comme s'il y avait en face d'eux un cortège funéraire. L'imam Sofiane Thawri, lorsqu'il évoquait la mort, on ne pouvait profiter de lui pendant des jours entiers. Et lorsqu'il était questionné, il disait « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Saïd ibn Jubayr disait « L'insouciance vis-à-vis d'Allah consiste à ce que l'homme perdure dans la désobéissance, espérant le pardon d'Allah ». Quelles sont maintenant les causes qui permettent de faciliter l'évocation de la mort? D'ailleurs, les gens au cœur dur peuvent se guérir de cette dureté par quatre choses. Premièrement, le fait de se détacher dans la situation dégradante ou de péché dans laquelle il est
en s'assiant dans les assises de science, d'exhortation, de rappel, de menace, et les assises qui traitent des histoires des pieux prédécesseurs. Tout ceci adoucit le cœur et produit un effet probant. Deuxième chose, évoquer celle qui brise les jouissances. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'évocation de la mort repousse les péchés et les désobéissances, adoucit un cœur dur, dissipe le plaisir d'être dans cette vie-là et atténue les épreuves ici-bas. Aussi, parmi les causes qui viennent adoucir les cœurs, il y a le fait d'être témoin de la mort des personnes. Car ceci va te faire prendre conscience de la réalité. Ceci t'empêchera de dormir ou de te reposer et te poussera à agir et tu seras plus ardent dans l'effort et la fatigue. D'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a entendu n'est pas comme celui qui a vu de ses propres yeux. Aussi, il y a le fait de visiter les tombes. Ceci est une des plus grandes causes pour adoucir les cœurs. À la condition, bien sûr, qu'ils viennent avec un cœur présent et qu'ils recherchent la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'ils recherchent aussi la réforme de son cœur. Et il dit cette dua, « As-salamu ala ahli diyar min al-mu'minina wal-muslimin, wa yarhamallahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin, wa inna insha'allahu bikum lahikun. As'alallaha lana wa lakum al-afiyah. » La paix et le salut sur les hôtes de ces demeures parmi les croyants et les musulmans, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront postérieurement. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons. Je demande à Allah, pour nous et pour vous, le salut. Cheikh Al-Albani a dit, le but recherché par la visite des tombes, 1. C'est le rappel de la mort et des morts en pensant qu'il y a soit comme destination finale le paradis ou l'enfer. Et enfin, pour le mort, c'est les règles de bienséance à adopter, comme le salut et l'imploration d'Allah pour son pardon. Les signes d'une bonne fin. Quand une personne meurt, il y a des signes distinctifs qui nous poussent à croire qu'il est mort dans le bien ou sur une bonne fin. Quels sont ces signes? Premièrement, il prononce l'attestation d'unicité avant de mourir. Deuxièmement, la transpiration du front. Puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. C'est-à-dire que le croyant meurt avec la sueur qui dégouline de son front. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed. Troisièmement, celui qui meurt le vendredi ou sa nuit sera préservé des châtiments de la tombe. Yaqali nabi sallallahu alayhi wa sallam, man mata yawm al-jumu'ati. Le prophète a dit, celui qui mourra le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sera préservé des châtiments de la tombe. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, d'après la version de Abdullah ibn Amrin, et la chaîne de transmission est authentique. Aussi, il y a le martyr. Il y a six caractéristiques pour le martyr. Six caractéristiques, six qualités, six bienfaits qu'Allah lui octroiera. Premièrement, il voit ses péchés pardonnés à la première goutte de sang qui coule et il voit sa place au paradis. Deux, il est écarté des châtiments de la tombe. Trois, on lui épargne la grande frayeur. Quatre, on le pare de l'habit de la foi. Cinq, on le marie au Hur al-Ayn, les houris aux grands yeux. Six, il peut intercéder pour 70 personnes parmi ses proches. Pour quelle raison? Pour quelle raison il a été sauvé de tous ces châtiments? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, kafa bi bariqati suyuf fawqa ra'sihi fitna. Le scintillement des épées au-dessus de sa tête lui a suffi comme épreuve et comme châtiment. Parmi les signes d'une bonne fin, la mort dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et enfin, sixièmement, le fait de mourir de la peste. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا